Bonjour, bonjour à toutes et tous. Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre tirage journalier, le message du jour, ce message général. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on va aller voir un petit peu de quoi on va nous parler pour ce nouveau tirage, ce nouveau message du jour. On verra un petit peu à la coupe ce qui ressort. Pour les personnes qui arrivent, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, si le cœur vous en dit, à rejoindre ma chaîne Will Voyance. Pour cela, ne pas oublier la petite cloche sur toutes notifications pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines voyances. Pour les personnes, vous pouvez me retrouver également sur les autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram, pour les personnes qui le souhaitent, si vous voulez venir me rejoindre. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Allez, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on retrouve à la coupe pour aujourd'hui. À la coupe, on retrouve un homme. On peut nous parler de votre fils, de votre frère, d'un ami sincère, de votre cousin, quelqu'un de la famille. On verra un petit peu ce qui va ressortir derrière et on retrouve ici tout ce qui est lié à la jeunesse. On peut nous parler d'un enfant. Ici, à travers un événement ou un petit événement qui arrive. Allez, nous allons mettre ce jeu de couverture en place, mes belles âmes, et je vais aller répondre à ce message. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Quel message doit-on faire passer aujourd'hui? Voilà, le jeu de 32 est en place, je vous demande quelques secondes le temps de recevoir les informations et de vous les transmettre. Alors, on retrouve des disputes, conflits-disputes, soit ça vient d'arriver, ou il y a quelque chose qui arrive, on me parle de disputes. Mais encore, pourquoi une dispute, s'il vous plaît? Dispute, conflit, désaccord. En tous les cas, il y a du retard. Alors, ça peut être la dispute vient de se faire, il y a du retard peut-être suite à cette dispute, ou en retard, on retrouve un conflit et une dispute. On retrouve une personne, on peut nous parler d'une femme qui sera chagrinée, qui sera en pleurs par rapport à ce conflit et cette dispute qui arrive. Pour vous, dans votre maison, dans votre foyer, vous qui me regardez, la consultante, le consultant. Alors, pourquoi on retrouve une personne chagrinée? On retrouve bien un déplacement en retard. Donc, soit une personne qui va faire un déplacement ou un déplacement de situation. En tous les cas, en retard, on retrouve une dispute, un conflit qui amène du chagrin. On retrouve une personne qui est chagrinée et qui est malheureuse. On nous parle de danger, mais encore. Alors, et on retrouve un homme. Donc, on voit hein, en retard... Pour une femme et un homme, on retrouve une dispute, un conflit. Ça peut être d'ordre familial, sentimental, on verra. Pour l'instant, on ne donne pas ces informations-là. On verra un petit peu ce qui arrive. En tous les cas, des nouvelles en retard concernant un conflit, une dispute, qui peut être fait il y a quelque temps et on retrouve en retard des nouvelles par rapport à ça, ou en retard un déplacement vers un conflit, une dispute autour d'un homme et une femme. Pourquoi, s'il vous plaît? On retrouve l'issue. Hein, on voit que c'est compliqué. On voit qu'il y a des contrariétés, des petits soucis, que c'est compliqué entre deux personnes. Hein. On nous parle d'issue. Alors, certainement, l'issue de sortir de là, mais encore, on retrouve la route et le déplacement. Soit c'est en lien par rapport à un déplacement géographique, et on nous dit, ben, on retrouve en issue plutôt une personne qui est en danger et compliquée. Quand je dis en danger, par rapport à la relation de cette personne. Parce qu'on nous dit en retard, eh bien, il y a une dispute, un conflit, un déplacement. Donc soit cette personne se projette de faire un déplacement et qui éloigne ces deux personnes et ça met quelque chose en conflit, ou on nous parle de quelqu'un qui est loin. En tous les cas, il y a un déplacement de la situation qui arrive et qui amène plutôt dispute et conflit. Alors, mais encore, s'il vous plaît, nous allons continuer de regarder un petit peu ce qu'on me dit pour vous. Alors, on retrouve mariage. On me parle mariage. J'entends mariage. Donc, mariage. Alors, est-ce que c'est sur un mariage? Est-ce que c'est sur une union? Voilà, on va aller voir. Ou si ça concerne un mariage. On va aller voir pourquoi mariage, s'il vous plaît.
On retrouve la projection. Donc on voit qu'il y a une projection qui est compliquée, hein, et cette projection peut être de l'ordre d'une union sentimentale, une union professionnelle. Hein. On avait un désaccord, mais on n'avait pas encore la raison. On va aller voir un petit peu sur le deuxième tour de carte. On retrouve une personne qui attend. Et on retrouve une projection de cette situation. Et ben on voit qu'en projection, il y a des ennuis, des petits soucis, des conflits, des disputes qui arrivent autour d'un déplacement. Soit encore une fois à travers un déplacement ensemble ou à travers un déplacement de la situation qui fait que c'est compliqué. On retrouve le doute. Vous doutez. D'accord, encore une fois, soit pour faire ce déplacement avec cette personne ou le déplacement de la situation. C'est-à-dire qu'on voit que c'est compliqué entre vous, que la projection peut-être pour s'unir, parce qu'on a une union, et ben cette union est compliquée. On retrouve le doute. Et on retrouve une personne qui est un petit peu... on parle de faiblesse, donc on retrouve une personne qui peut être aussi un peu plus faible émotionnellement, et on retrouve des difficultés. En tous les cas, on retrouve une personne qui est dans le doute. On retrouve ici une femme, on peut nous parler d'une femme qui a le statut de femme seule, veuve ou divorcée. On retrouve une femme concernant aussi tout ce qui est lié à l'administratif, donc on voit que c'est compliqué. On voit qu'il y a une personne. Quand je parle d'une femme, vous pouvez mettre un homme, féminin ou masculin. En tous les cas, on voit qu'autour d'une femme ou d'un homme, c'est compliqué. Il y a une projection peut-être sur une union, peut-être entre ces deux personnes, à se rapprocher encore une fois sur une union sentimentale ou une union professionnelle, puisqu'on retrouve quelque chose sur une union. En tous les cas, on nous dit que cette personne, pour l'instant, on doute. Peut-être que cette projection amènera des ennuis. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a un conflit et une dispute autour de ça qui arrive. En tous les cas, voilà le message du jour. Merci à tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui me découvrent. Merci pour vos abonnements et vos messages de bienveillance. Pour les personnes qui le souhaitent, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour de ce que je vous propose à travers mon travail. N'hésitez pas, pour me soutenir, partager cette vidéo auprès de vos proches. Un petit like et un petit commentaire rien que ça déjà pour me soutenir, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, un petit like et un petit partage sur les vidéos que je vous propose. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs tout simplement sur mon site internet Willvoyance. Pour cela, vous tapez dans Google Willvoyance ou en dessous de chaque vidéo sur mes réseaux sociaux, vous trouvez comment me contacter. Mais dans Google, vous mettez Willvoyance, vous avez accès à mon site internet, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous avez mes prestations et tarifs. Je consulte ici au cabinet en Bretagne, mais également dans toute la France et à l'étranger par téléphone ou en visio sur WhatsApp. Je consulte ici au cabinet à côté de Dinan, au Champ Géraud plus précisément. Vous pouvez retrouver ma boutique Univers Will Boutique qui est en promotion pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas, jusqu'à 25% sur la boutique, et il y a un autre code aussi, 10% sur la totalité, donc sur l'ensemble de la boutique, et 25% si je dis pas de bêtises sur les pierres et les minéraux. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire un cadeau pour la Saint-Valentin. Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs également sur mon site Willmindteaser. Je suis thérapeute, j'accompagne les gens à travers les problèmes émotionnels, physiques et traumatismes et bien d'autres encore. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, de nombreux témoignages sur mon site, sur Google, de personnes qui ont fait appel à moi, que j'ai pu aider et accompagner à travers leur chemin de vie, tout simplement. N'hésitez pas à les voir. Cela, je travaille au cabinet, mais également à distance sur photo pour les personnes qui le souhaitent et qui ont besoin d'être aidées et soutenues. Et ben, vous pouvez retrouver mes sites internet Willvoyance, Willmindteaser, Univers, Will Boutique. Vous aurez toutes les informations pour me contacter. Voilà, mes belles âmes. Ben, écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille. On se retrouve demain pour le message du jour. Et puis, une très belle journée à vous toutes et tous, mes belles âmes, et à demain. Bisous.